Le mercredi 8 décembre prochain, Françoise Fabian sera à l'honneur dans le film Rose, réalisé par Aurélie Saada, la chanteuse qui forme le duo Brigitte. Ce long métrage raconte l'histoire d'une senior qui perd son mari et qui, au lieu de sombrer, va retrouver goût à la féminité et son rapport avec sa famille va en être bouleversé. Un rôle interprété par la comédienne Françoise Fabian qui était, tout comme la réalisatrice, invitée sur le plateau de C'est à vous, ce mercredi 1er décembre. L'occasion pour l'actrice de faire quelques confidences assez étonnantes, notamment au sujet de la maternité. En effet, alors qu'Aurélie Saada explique qu'il est encore possible d'aimer son corps et de le revendiquer après 70 ans, Françoise Fabian rejette en bloc cette idée qu'une femme âgée ne doit être résumée qu'à ses seuls petits-enfants, « De toute façon ce n'était pas moi, une grand-mère loufoque, ça n'est pas moi. Moi déjà je ne suis pas grand-mère, parce que je ne voulais pas avoir beaucoup d'enfants. » Je trouve qu'avoir beaucoup d'enfants si est monstrueux, il y en a trop. Il y a trop d'enfants sur la terre, si est épouvantable, confie-t-elle sur le plateau de France. Françoise Sagan, je prends les choses comme elles viennent, je les juge, je les choisis. Françoise Fabian affirme qu'elle-même est heureuse de vivre sa vie comme elle l'entend, je vois, j'existe. Je suis vivante, je prends les choses comme elles viennent, je les juge, je les choisis, je crois que si est-il facile, quand on a décidé que c'était facile. Il n'y a que l'injustice, il n'y a que la misère qui soit épouvantable, il n'y a que les gens malheureux, ça oui, il faut en être conscient mais soi-même on n'est pas à plaindre quand même, déclare-t-elle. Des mots touchants pour une comédienne ravie d'avoir pu jouer dans le film d'Aurélie Saada. Claudine Didjet.